moi, c'est Marion Ken, j'ai 25 ans et je suis professeure de danse, danseuse, mais je suis aussi étudiante en doctorat. Voilà. Sylvain Guyonneuc, 26 ans, graphiste, motion designer, danseur, chorégraphe, photographe, un peu tout. On fait du lindy hop ou du solo jazz. Charleston. Ou jazz vernaculaire, ça dépend comment on l'appelle. Voilà, il a un peu plein de noms. Un peu plein de noms, ouais. Donc le lindy hop, c'est une danse africaine-américaine des années 1920, c'est une danse de couple. Elle a été développée donc, à la fin des années 1920 à Harlem aux États-Unis et ça se danse sur le swing. Le problème se pose spécifiquement en France, mais pas que, c'est qu'en fait, en France, on genre les noms et donc on va dire en cours le lead et la follow. C'est-à-dire qu'on va genrer les rôles de danse et on va appliquer du coup, les verbes lead et follow, ça veut dire guider et suivre en anglais. Et on va vraiment assigner un genre à une action dans la danse. Donc par exemple, on va avoir l'homme qui va guider et la femme qui va suivre. Pour moi, c'était confortable en fait d'être... Bah oui. Du côté de maîtriser. De lead, du coup. Ouais. Mais après, je crois que c'est comme maintenant, en fait. Maintenant, je fais les deux rôles, soit à droite, soit à gauche. Après, je suis majoritairement quand même plus du côté lead. Mm. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir aussi à suivre. En fait, je crois que j'aurais pu très bien apprendre à suivre et ça m'aurait vraiment contenté aussi. Moi, j'ai pas choisi mon rôle de danse quand j'ai commencé. C'est-à-dire que c'était à l'époque. on est arrivé dans la salle de danse et il y avait des garçons, des filles. Et on a mis les garçons à gauche, les filles à droite. On a formé des couples hétérosexuels comme ça. Et donc, on nous a pas trop expliqué non plus les notions de guidée suivie. Je crois que j'ai pas trop intégré ça au début, c'est-à-dire que je me suis pas posé plus de questions que ça. Mais c'était aussi le début, je rentrais à l'université, donc je pense que c'était le début aussi des réflexions un petit peu aussi, justement un peu plus philosophiques, un peu plus profondes quand même et intellectuelles par rapport à ce genre de trucs. Et l'année d'après, ça a commencé à me gêner en fait, d'être guidée et de sentir que l'autre pouvait vraiment avoir un rapport de force et de pouvoir sur moi. Et en fait, à la réflexion, après, j'aurais préféré moi guider et pas être guidée en fait, et je l'ai toujours dit. Et donc par la suite, moi pour mes recherches, j'ai découvert qu'à l'époque, ça se passait pas comme ça, quoi. Donc on est vraiment dans une danse de la liberté, dans une danse de la transgression des codes aussi. Et en fait, c'est ça la danse de couple, on s'adapte à l'autre, c'est pas un monologue, hein. C'est une conversation. Si c'est un monologue, moi j'arrête de danser, j'ai pas envie qu'on me parle pendant 2 minutes à chaque fois. Enfin, pour moi, ça rejoint vraiment les questions féministes aussi. C'est j'ai le choix de pouvoir suivre à 100% ou ne pas suivre à 100%. Donc je choisis de ne jamais suivre à 100% et d'avoir toujours mon grain de... Un petit pourcent minimum. Ah oui, minimum. Je pense que dans la société actuelle, c'est plus accepté pour une femme de passer dans le rôle de gaucher, de lead, plutôt qu'un homme de le passer au rôle de suivi. Voilà, parce que c'est une société qui est très hétéronormée, patriarcale encore, hein, donc on a encore les valeurs de... Un homme, ça guide, ça suit pas. Guider, dominer ou suivre, se laisser faire, pour moi, comme dans la danse, comme dans la vie privée, ça marche pas avec moi.